Eh bien, je ne pensais pas commencer cette vidéo sur le problème du vent, l'incidence du vent sur un tracker, car comme vous pouvez le constater, le tracker se remet à plat. Voilà, il se met à plat alors qu'il y a une vitesse enregistrée que de maxi de 13 km/h. Mais c'est ce qui est normal puisque j'ai réglé le tracker, l'électronique, un vent très faible. Je crois que je suis à zéro. Je vais retirer ça. Vous entendez, il sonne, c'est normal, puisqu'il est en alerte. Donc là, on voit bien, je vais mettre. Donc là, on va voir si les chiffres T3 et T5 disparaissent. On appuie longtemps sur cette touche-là pour que le rétroéclairage reste allumé. Voilà, impeccable. Donc T3, c'est le rappel de mon programme de retour. Alors c'est vers le nord, donc à plat, et le T5, c'est à l'est. Et là, on a une vitesse qui est de 0 et quelques. On a une petite rafale sûrement qui lui a fait se mettre en alerte et retour à plat. Voilà. Donc là, on peut remarquer que l'on est sur la batterie, hein, là c'est la batterie qui gère la motorisation. Hein. On voit que le voyant dans le fond là, il est rouge, donc c'est qu'il est en train de charger la batterie. Ça charge la batterie en même temps que la batterie alimente les moteurs. Hein, il y a un BMS intégré dedans. BMS, c'est le Battery Manager System. Hein, c'est ce qui gère la décharge de la batterie pour pas l'abîmer, et puis la fin de charge aussi. Voilà, donc ça c'est bon. Donc, je vais arrêter la vidéo tout à l'heure pour vous faire voir qu'une fois que le compte à rebours sera arrivé à zéro, bon déjà celui-ci va arriver en premier à zéro, il va disparaître, il ne restera plus que lui, donc il sera à l'est et à plat, et on aura un affichage de 600 secondes, c'est le loop, le verrouillage pendant 600 secondes. Si le vent ne recommence pas à souffler plus que je lui ai demandé, eh bien il se remettra à la recherche du soleil. Voilà. Alors, le compte à rebours commence à devenir près du zéro, on a quelques secondes. Ici, on remarque que lui, retour à l'est, il y est déjà. Et là, on va pas tarder à arriver au bout de la course du vérin où il va s'arrêter. Donc là, on est à 126 secondes. Là, pas tarder. Voilà, c'est embuté, c'est arrêté. Mais comme le compteur n'est pas fini, il est tout à fait normal qu'il aille jusqu'au bout. On voit que le vent, là, ça oscille un petit peu. Donc ça tournicote. Hein? Donc, le réglage qui est préconisé pour le vent est de 0,6. 0,6, ça correspond à peu près à 36 km/h. Et je l'avais réglé à 0,3. 0,3 qui correspond à 18 km/h. Et on a eu un vent, j'ai dit, à ouais, 14, pas grand-chose. Donc là. Ça va pas tarder. Donc il est bien à plat et on va retrouver notre compte à rebours. 7 secondes. On va voir s'il affiche 600 look. Non. Donc oui, il attend. Il attend que celui-ci soit à zéro. Je suis bête. Alors, 4, 3, 2, 1. 0, toc, voilà, on passe en T7 en 600 secondes look. T7 est ici, hein, je l'ai bien réglé à 600, hein. C'est la temporisation pour éviter le contrôle de vent trop fréquent. Donc ça veut dire que là, si le vent ne dépasse pas ma consigne, hein, il va aller jusqu'au bout de son compte à rebours et revenir en recherche du soleil. D'accord? Par contre, vous voyez?
On a dépassé ma consigne de 0. Ah, ça serait bien 0,18 que j'avais marqué. On va voir ça. Vous voyez, le fait qu'elle dépasse ma consigne, le compte à rebours est revenu à 600. Donc pour éviter ça, vous voyez le vent, combien on a eu là? 14. Ouais, je suis donc réglé. On va regarder ça tout de suite ensemble. Parce que pour les tests, j'ai dû le régler. Donc là, on appuie longtemps pour entrer en mode programmation. Voilà, je vais faire le tour. Ah oui, bah j'ai mis 0,15, 0,15 volts. D'accord, donc je rentre dedans par ici, là, hein, je monte. Et je vais mettre 0,30 comme j'avais dit pour des essais encore. Donc 0,30, on a dit que ça faisait 18 km/h. C'est pas beaucoup. Allez, on va mettre 0,40 pour commencer, que je puisse faire un contrôle des vitesses. Voilà. Je sors. Là, je vais faire le tour par là. Voilà. Et je sauve en quittant. Voilà. J'ai remarqué dans tous les programmes que j'ai pu rentrer, puis modifier, etc., que par moment, il faut couper l'alimentation pour qu'ils prennent les mesures en compte. Là, on va retourner dedans, on va regarder s'il l'a bien pris. Ouais, il l'a bien pris, donc c'est bon, je requitte. Donc là, il va aller jusqu'à 10 secondes, hein, c'est le réglage qui est pour revenir en mode automatique. Voilà. Donc là, il ne va pas tarder à choper le soleil, la cellule, et ça va prendre la main. Je mets en pause. Voilà, le compte à rebours est arrivé ici à zéro. Il s'est mis à bouger. Donc là, il s'éloigne. Il va vers l'ouest. Donc c'est la cellule photoélectrique qui lui dit qu'il faut aller plus à l'ouest. Et puis comme lui, il n'est pas encore arrivé à zéro, le compte à rebours, il va pas encore chercher à s'incliner vers le sud. Et là, on va voir ce que ça donne. Il devrait, en principe, le vérin là devrait s'actionner. Voilà, on va attendre. Qu'est-ce que ça donne? Et voilà, vous voyez? Il se lève, il va se mettre pratiquement à la verticale. Ok, vous avez compris le système. Alors, je vais vous donner une information. C'est depuis le temps que je programme, que je fais des essais, etc. Faites très attention à l'alimentation que vous avez mis pour alimenter le bébé. Si vous avez du tout petit matériel avec deux, trois panneaux, c'est pas lourd, etc., il n'y aura aucun souci, une alimentation même 100 watts suffira, avec des petits moteurs que j'imagine de vérin très très light de fauteuil, on va dire, hein, électrique. Voilà. Une alimentation comme ça, 150 watts, c'est déjà juste, hein, pour un tracker comme ça, c'est même trop petit. Donc j'en ai commandé une de 450 watts. Donc et tout ça pour vous dire que si vous vous prenez la tête avec votre appareil, qu'il n'obéit pas à ce que vous lui imposez, que tout d'un coup, si vous observez bien, il va se mettre en. Il se reboot. On voit la version du logiciel, etc. Ça dure 2 secondes, hein. Il se reboot et puis il recommence à compter, etc., dans n'importe quel programme où il s'est arrêté. Et puis ça se reboot ainsi de suite, et le machin il bouge pas. Donc c'est parce que tout simplement il a une manque de puissance en alimentation, et ben, il se reboot. Voilà, il se coupe et il se remet en route aussitôt. Voilà, et ça c'est lié à la puissance de votre alimentation. Voilà. Et ça c'est du vécu, hein, je peux vous le dire. Donc avec une petite batterie comme ça de 24 volts, hein, en lithium-ion, hein, c'est pas du polymère, c'est une 6 ampères, ça suffit pour entraîner sans aucun problème les moteurs. Par contre,
il est évident que pendant mes tests, je vais voir si elle suffit à entraîner le moteur, surtout lui, là, hein. S'il y a du vent dessus. Parce que s'il y a du vent, forcément, les efforts sur le moteur ne sont pas du tout les mêmes. Hein. Ok ? Bon, ben, cette vidéo, ben, je ne vais pas continuer là-dessus, puisqu'on a compris le principe. Hein. Maintenant, si vous voulez régler correctement votre tracker au niveau du vent, ben, vous pouvez mettre 0,6, hein, s'il correspond à 36 km/h. Après, ça dépend des régions. Si vous êtes dans le sud, s'il y a le Mistral, la Tramontagne, le truc, il ne va jamais être debout. Mais là, il faut que ce soit une structure balèze pour mettre déjà 1,2. Là, 72 km/h, on n'est pas loin des 80 du début des gros coups de vent. Voilà. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, le tracker s'est mis en sécurité pour se remettre à plat. Oh. Alors qu'on avait une vitesse maxi enregistrée de 14 km/h. Et comme j'étais réglé dans ces goûts-là, hein, j'étais à 1 et quelques, donc ça faisait dans les 14 km/h, ouais, c'est ça. Et bien c'est normal qu'il se soit mis en sécurité. Donc là je l'ai passé en 0,4, donc 0,4 si on fait 4 fois 0,1 là, ça fait 24 km/h. Donc je vais faire continuer mes essais. Et puis, en principe, si j'ai un vent qui dépasse 24 km/h, il devrait recommencer à vouloir se mettre à plat. Voilà. Sur ces bonnes paroles. Hein. Ah, ça commence à souffler un peu, là. Ouais, il se lève, le vent. Il se lève. Ouais. Combien on est ? 17. 17, ça va commencer à monter. Ben, c'est parfait. C'est très bien pour mes essais. Bah sur ces bonnes paroles, je pense que je le mettrai en texte, le résultat de mes essais. Ça fait de nouveau une vidéo courte. Hein, c'est mieux que mes longues vidéos. Mais bon, apparemment, c'est nécessaire. Donc voilà. Bah sur ces bonnes paroles, je vous dis à très bientôt. Et puis, regardez ma vidéo sur le coût, hein, sur mon amortissement, que ça, je m'en fous. Mais sur ma facture EDF. Hein, c'est quand même sympa de se retrouver avec des factures allégées comme ça. Allez, bye, à bientôt.